Je sais pas si je vais bien parler ou je sais pas quoi, mais bon, bref. Je pense que vous êtes en train de remarquer, bon, déjà au titre, logique, mais voilà, ce que vous avez devant vous, voilà. je viens de l'enlever du carton, hein, j'ai toujours pas osé sortir de la boîte. vous voulez voir le modèle? Ça se trouve, il y a des gens qui connaissent pas, ils disent, mais de quoi qu'elle parle, l'autre folle? Mais bon, voilà, les vrais, ils savent exactement ce que c'est que cette boîte. Oh là là. Désolée si je... Voilà, c'est l'émotion, quoi. Parce que là, vraiment, là, je viens de l'avoir tout de suite, c'est... Voilà, bon, allez, je retourne la boîte. Voilà. Regardez-moi comme elle est belle. Donc, pour les bloches, c'est une tulipe Naoko. Voilà, il y a les instructions, tout, mais c'est en train de voilà, c'est ce qu'il y a dedans. Je vais la déballer. Si j'y arrive, je pense qu'avec l'émotion, je vais plus faire une crise cardiaque en deux secondes. Oh, nickel, j'ai des ciseaux. Je suis pas allée chercher de ciseaux, comme là c'est bon, j'ai des ciseaux. Prépare-toi à sortir de la petite bébé. Mais quel ange. Oh mon dieu, je viens d'ouvrir le haut de la boîte. Je peux bientôt t'attraper. Bon bah, heureusement, je sais lire l'anglais, parce que sinon, ça va être galère pour lire, mais bon bref. De toute façon, je sais comment ça marche. Voilà, je viens d'enlever la boîte en plastique. Regardez. Mettez, s'il vous plaît. Il y a même pas besoin de mettre pour savoir que c'est magnifique ce qu'il y a sous vos yeux, quoi. J'ai envie de la toucher, mais j'ose pas. Donc la petite boîte, je vais la déballer tout de suite et puis vous la montrer d'un peu plus près. Bon, la luminosité est dégueulasse, mais je filme le soir là. Je fais comme je peux là, je viens de la voir, voilà, je me débrouille. La partie relou du déballage où il faut descotcher tout ça pour pouvoir récupérer la petite princesse à l'intérieur. Oh mon dieu, ça y est, j'ai pour l'enlever. Bon, c'est du téléphone, je filme comme. Je la tiens dans ma main. Ne vous inquiétez pas, sur Corestock, le coup, il n'y a pas de problème. Oh my god. Elle est dans ma main, je la porte. J'enlève tous les bouts de plastique et puis je vous la montre. J'ai enfin déballé cette merveille. Donc là, vous pouvez pas admirer sa beauté vu que l'éclairage est immonde. Mais avec un bel éclairage, vous verrez à quel point elle est belle. Là, ses eyes, on voit pas, mais dès que je la mets dans un bon éclairage, vous verrez ses eyes. Mais c'est... Waouh. Que elle va rester stock vu que déjà, j'ai pas trop l'argent pour les customisations. Et en plus, j'ai fait exprès de choisir ce modèle vu que je le kiffe. Voilà, je ne me serais pas amusée à acheter une tulipe avec un modèle que j'aime pas trop. Voilà, j'ai forcément pris un modèle qui me plaît et qui me plaît en tant que modèle stock. Du coup, j'ai bien choisi et je pense que j'ai bien fait de faire ce choix. Hein, et puis comme ça, si je la garde stock, je suis sûre de pas me retrouver avec des histoires de plagiat. Je vais juste, pour son corps stock, utiliser la même technique Kaiko pour séparer les doigts. Parce que j'aime bien sa technique et je trouve ça totalement logique. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas testé ça sur Oka alors que j'aurais pu tester sur Oka. Ce qui aurait été logique, mais bon, bref, on s'en fout. Donc, elle va rester stock et son style ne va pas trop changer non plus, vu que ça correspond à peu près à ça. C'est un peu un style hippie. Mais, genre, quand je dis style hippie, ça va être un peu le style hippie que moi j'utilise généralement. Enfin, vu que moi je suis. Mes styles, c'est hippie, gothique et décora. Alors, là, ça va être un peu le style hippie que j'ai l'habitude d'avoir. Par exemple, là, son sarouel. Je pourrais tuer des gens pour avoir le même sarouel, quoi. Ce sarouel, mais c'est d'une beauté. Je veux le même, quoi. Avec les chaînes et tout, la petite pochette. Non, mais... Enfin, les petites poches. Non, c'est... Waouh. Je veux le même sarouel. Son t-shirt, je suis très contente qu'on puisse enlever ça. Parce que ça, c'est pas que j'aime pas, mais je vois pas ça ouf dessus. Et puis le t-shirt comme ça, je pourrais mettre des autres trucs dessus. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire avec le t-shirt. Donc je vais pas non plus le garder tout simple comme ça. Mais je sais pas si je vais l'accessoiriser ou customiser le t-shirt. Enfin, bref, ça, je vais quand même l'utiliser. Je vais peut-être même mettre les. Ça, c'est censé être sur les bras, sur les t-shirts. Je vais peut-être les mettre sur les jambes, vu que j'aime pas trop le rose. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ses jambes, ses chaussures sont extrêmement grandes. Même trop grandes pour Tulip. Hein. Voilà. Je vais essayer les chaussures d'Oka, mais donc ses chaussures, il faudrait que je fasse des chaussettes, vu que vraiment, c'est trop grand. Enfin, avec tous les bouts de plastique, là, qu'il y avait. Ça, c'était la bonne taille, mais sans, c'est vraiment grand. Voilà, cette petite beauté. Donc, il y a son sac. Donc, son serre-tête, normalement, enfin, son bandeau. Enfin, il n'est pas censé se mettre comme ça, son bandeau, mais moi, je l'ai mis comme ça.